tranquillement. Je vais pas tuer des gens. Vincent Marguilla est un mec qui fait du parcours. C'est quoi le parcours, Vincent? Alors le parcours, il s'agit d'une méthode d'entraînement, comme ça se déplacer d'un point A à un point B. Et il y a une variante qui s'appelle le freerun qui est un peu plus connue en France, qui consiste à faire des acrobaties dans les airs. Il a une chaîne. C'est toi qui as fait ça? Je sais pas moi du tout. Je me suis dit, il s'en fout, il veut pas qu'on parle de lui. Allez, silence. C'est bon, on parle pas de ma chaîne YouTube. Donc monsieur a une chaîne YouTube et une page Facebook. C'est vrai. Un Instagram. C'est vrai. Un Snapchat. C'est vrai. Tout ce qu'il faut, quoi. Et voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller retrouver une copine. Une copine qui est complètement fralou. Je vais vous la présenter dans quelques minutes. Ça y est, je l'ai retrouvée. La petite Florence. De Cora. On fut caissière. C'est ça. C'est un beau temps. Ah, c'est belle époque. Pour l'instant, c'est time. Apéro. Elle a tout prévu, parce qu'elle adore cette fille. Allez, on va trinquer. Qu'est-ce qu'on va boire là? C'est du pitchouli. Du pitchouli. Vous connaissez ou pas? Vous connaissez ou ce que c'est que le pitchouli, hein? C'est un apéritif à base de vin blanc. Ok, d'accord. Voilà. J'irai faire des recherches. Ça marche. Je vous en dirai plus si je vous le mettrai là. Juste là. En attendant, santé. C'est bon. C'est sucré, c'est hein. C'est sucré, oh, j'adore. C'est bon, hein. Ouais, ça doit vite monter la tête. Ouais. Victime de son succès. C'est ça. Il n'y a plus d'attente. Hein. Non. Donc là, comme l'a dit Florence, il y a une formule unique. 90. On voit que votre oreille. Ça va. L'anonymat est respecté. Moi, je suis fan du tartare de bœuf. Mais c'est délicat. Faut que l'hygiène soit irréprochable. Ce qui est bien, c'est que, de toute façon, quel que soit le plat que tu prends, t'as les frites illimitées, les frites à volonté. C'est ça, hein? Et le saladier de salade verte. C'est vraiment que je prends ça. Ah, le café gourmand. Elle a déjà choisi son dessert. C'est très bon le café gourmand? Non. Ah, mais le chou, il a de la glace, du Nutella. Est-ce que je peux filmer? Je peux voir juste. Oui, oui, mais. Non, parce que vous en parlez tellement bien. Alors, café, tiramisu, profiterole chocolat, glace à la vanille, Nutella, chantilly et gâteau au chocolat. Yeah. Oh bon! Oh bon! Restaurant, l'assiette au bœuf, c'est un peu la même formule. C'est impeccable, hein, aussi. Hein. Justement. C'est près du pont des morts. On en parlait parce que moi je connais l'assiette au bœuf et je lui ai dit ils font aussi les frites à volonté, oui, fait maison. Et c'est excellent. Desserts. Ah ouais? Vous avez pris quoi là-bas? Comment ça s'appelle? L'assiette au bœuf. L'assiette au bœuf? Ouais. C'est où? Du pont des morts. C'est du pont des morts. Ah, c'est trop beau là-bas. C'est et le cadre est très joli. C'est centre-ville? Oui. Ouais, un peu excentré vers le sol-ci. Donc, la dame à côté vient de me dire qu'elle a pris l'escalope de saumon frais à la plancha et que c'était excellent. Voilà. Ah, on voit monsieur. Attention, je recadre. Monsieur, dame, je vous écoute. Je recadre. Monsieur, le monsieur, il a dit, j'espère que vous faites des coupures parce que ça n'intéresse personne que vous allez aux toilettes. Rassurez-moi, ça vous intéresse quand même. Toilettes, intéressant. Ça prouve qu'au moins j'aurai les mains propres. Non mais elle lui manque une case, c'est rien. Il faut bien s'occuper. Non mais tu peux parler Florence. Oui, ça vite fait. En termes de folie, tu me dépasses largement. Bah allez, moi j'y vais. On a faim. Alors, ah, bah voilà. Il n'y a qu'à demander.
Ah non, c'est pas nous. Moi j'ai tartare de bœuf. Ah c'est de bœuf? Ah ouais. Tartare de bœuf, s'il vous plaît. Merci. Sinon je vous prête le mien. Je suis pas comme ça. Ça y est, merci. Bon appétit, cocotte. Bon, bonne. Non, c'est le pic de la vie. Qu'est-ce qu'on pense, Jade Bisou? Ah, ça a l'air bon. Ça a l'air très bon. Bon, bah, on goûte. Allez, je j'adore ces expressions. Oh, c'est bon. C'était la cuisson demandée? Ouais. Franchement, nickel la cuisson. À moi le tartare. C'est pas mauvais, j'ai déjà mangé meilleur, parce qu'il y a le goût de la viande qui est pas top en fait. Alors je sais pas si ça a à voir avec la fraîcheur de la viande ou si ça a à voir avec la qualité de la viande. Après c'est bien assaisonné. Elle est frite à son bonne. Je valide. Tu veux goûter le tartare? Allez, comme ça tu me dis ce que t'en penses. Et franchement, il est très bon. Moi, j'aime bien. Comme ça, ça vous donne deux avis différents. Venez goûter et faites votre choix. Florence. La prochaine fois, on ira tester ensemble l'assiette au bœuf. Et je prendrai de nouveau un tartare, tu goûteras et tu verras la diff. Si diff il y a. Faut savoir que plus je mange, plus j'apprécie. C'est bizarre, hein? Elle rigole. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il est bon. C'est ça que t'aimes pas là-dedans, quoi. Ouais. C'est le truc que j'aime pas. C'est pas difficile, mais alors les tafres. Voici une cape. C'est une ou un cap? C'est une ou un cap? J'adore. Mais moi, tout ce qui pique, j'adore. Hein. Cornichon, wasabi. Je peux te manger du wasabi à la cuillère. Hein. Moutarde à la cuillère. Gingembre, comme ça, racine. Citron, j'adore. Il te manque quel type de case? Headshot. Pas la même qui te manque à toi. Mais... je retire tout ce que j'ai dit avant. Florence, je sais que tu adores la salade. N'hésite pas. Alors, est-ce que vous désirez un dessert? Oui.
Oui. Alors dites-moi tout. Un café gourmand. Un café gourmand. Alors moi j'aimerais juste demander parce que j'ai un problème dans le café gourmand. Moi j'aime pas le tiramisu. Est-ce qu'on peut remplacer par autre chose? Alors j'ai pas de miniature, alors est-ce que je vous mets une part de gâteau plus ouais, ou alors une part de glace en plus. Ah, je vous mets pardon, j'ai oublié, ouais, une petite profiterole. Profiterole en plus alors. Un petit sundae. Parce que c'est une profiterole et je vais vous mettre un sundae qu'il n'y a pas dans le gâteau. Ouais, voilà. Je vous mets quoi comme coulis avec Nutella. Alors il y en aura sur la profiterole de Nutella. Ouais. Je vous mets deux Nutella. Ouais, deux Nutella. Ouais. Allez, ça marche. Bonjour les filles. Un petit bouillon de poulet aussi. Voilà. Un cubeur et ciao. Mais moi, même depuis petite, je mange les cubeurs. Non, on va comme ça. Merci. Non. Cubeurs, c'est des plantes et je mange. C'est pas bon. J'adore ça. Quand je vous dis qu'elle est complètement fralée. Oui, oui. Moi je les mange cru, comme ça. C'est pas des chamallows, hein. Mais c'est juste... C'est du sel, c'est du sel en fait. C'est du sel. Très fort, très fort. J'adore ça. Très fort. C'est bon. Mon oncle était comme moi. Faut tout faire un monde, hein. Ça c'est celui du Sanchira. Waouh, merci. Et voilà. Les gens qui voient... Non, quand on voit une assiette comme ça, c'est impressionnant, mais ça se mange bien. Ça se mange vite. Ah, finalement, ça se mange très bien. C'est toi qu'on a vu sur YouTube. Ouais, t'étais une petite jeune fille, c'est pas bien. Ça a des soucis, moi. Non, mais ça se voit qu'on n'a pas mangé en tête à tête. D'accord. Voilà, on est quatre. C'est le coulis Nutella, c'est ça? Ils ont pas menti? Ah non. Ah, c'est du vrai Nutella. C'est du vrai, d'accord. Ça, c'est un sundae. Au McDo, ils appellent ça aussi un sundae, leur glace. Même chose ou pas? Pas tout à fait, c'est pas la glace du McDo. Ça sent très bon la vanille. J'aime bien, moi. Ça sent plus la vanille que le McDo. Exactement, c'est encore plus parfumé en vanille que le McDo. Mais sinon, la texture, ça ressemble. Avec le coulis Nutella. Bam, bam, bam. Alors moi, tu vois, la glace, c'est mon péché mignon, par contre. Je te mangeais de la glace, même s'il fait moins 10 dehors. Ah non. Le froid de la glace. Ça lui a fait pareil aussi. Ouais, ouais mais ça va, ça. C'est... Ah, j'étais pas prête là. Ça va, je j'assume. Tu sais à quel point c'est bon quand t'as un peu de pâte à choux, un peu de glace, un peu de Nutella. Ça y est, position latérale de sécurité. Des petites natures. Donc au final, tu top. Valides, tu recommandes ou pas? Ouais, grave. Ouais. Franchement, c'est top. Mm. Donc on a comparé ça à l'assiette au bœuf. Mais du coup, on ira à l'assiette au bœuf. Si vous voulez y aller, c'est juste là, près de la pharmacie. Bistrot Régent. Moi, c'est dur hein, de se regarder et de montrer un peu. Je vous mets leur petite carte de visite juste ici. Voilà, n'hésitez pas à y aller. C'était très beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a quelque chose à changer, vous me le dites. S'il y a quelque chose que je dois garder, vous me le dites aussi. J'espère que ça vous a donné faim. J'espère que ça vous a donné plein d'idées. J'espère que vous avez rigolé. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez toujours me suivre sur Snapchat, Miss Mao, sur Instagram, Marina Food and Day, et sur Facebook, Food Porn et Diététique. Faites une bonne journée et à bientôt. Notre si Gisèle Chelly dit fais le régime Weight Watchers. J'ai déjà fait le régime Weight Watchers. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.